On t'installe les calicots. Ils t'ont filé du LSD, mec, ou quoi ? Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Alors, un live. Vas-y. Chante-nous. Chante-nous. Je t'aime, pas, un truc barre. Non, mais une chanson. Mets bien, Vanina. Vanina. Charles Aznavour. Ah, vas-y, Charles Aznavour. Le mec, dit qu'est-ce que vous voulez que je chante ? Ça sera du Charles Aznavour. Non, mais concentre-toi. On le regarde pas, les gars. On ne le regardez pas, ouais. D'ailleurs, on se tourne. On se tourne si c'est bien, ok ? C'est comme The Voice. Si c'est bien, on se tourne. D'ailleurs, on ne voit nulle part, là, donc ça tombe bien. Vas-y. Allez, non, par contre, là, on dirait que t'as un point de côté. Putain, mais le jour de l'Eurovision, tu seras sans nous, bordel. Concentre-toi. Viens. Non, mais attendez. Vas-y. Tu vas y arriver, t'inquiète. Vas-y, tu vas y arriver. Ça sert à rien de me chercher. Viens voir les... Attendez, vous avez entendu le son. Allez, t'as avalé un javelot ou quoi ? C'était un Roland, c'était bizarre. Attends, je me mets debout, attendez. Voir les comètes, voir les musiciens. Ah, je mets mon chant. Je chante avec toi au début si tu veux. Alors. Les comédiens ont installé leur tréteau. Bon, allez, c'est tombé. Allez, allez, Maxime Guéli. Maxime. Les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade, étendu les calicots. Les comédiens. Mais ce mot n'existe pas. N'existe plus. Fiez-moi. Ils t'ont filé du LSD, mec, ou quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Arnaud, t'as mis un truc dans son verre ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ta dernière, du coup. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Je suis désolé. Mais ça fait du bien de venir. Il y avait de l'intention. C'est ça. Bon, on revient. Si on peut faire une coupure, ça sera là. Et vous savez qu'un jour, j'ai fait un casting pour une comédie musicale. Même lui, il croit pas quand il nous le dit. C'est vrai ? Mais en plus, il est fan de comédie musicale, donc ça m'étonnerait même pas. J'ai fait un casting pour une comédie musicale. C'est vrai ? C'est le clochard. Alors, j'ai chanté et j'ai dansé. Ils m'ont pas pris pour la danse. Et quoi Ils m'ont pas pris pour la danse. Genre pour le chant, ils m'ont pris pour la danse. À mon avis, ils t'ont menti, mais un truc de dingue. Monsieur, désolé, on va pas vous prendre. J'allais chanter Charles Aznavour. Et finalement, on avait une grosse tournée prévue dans tous les centres commerciaux. Dans tous les Cultura de France. On a eu un an de travail pour trois représentations. Mais alors, ils t'ont pris ou ils t'ont pas pris ? Ils m'ont pris. Ah, ils t'ont pris ? C'était dans la musique. Alice au pays des merveilles, c'est l'histoire d'Alice au pays des merveilles, mais dans le monde des drogues. Mais, mais attendez, vous n'étiez pas un champignon hallucinogène dans le... Entre autres, alors j'ai deux rôles, celui du leader Vogos et celui du champignon hallucinogène. Alors j'étais le président et les boueurs, j'ai fait les deux. Ça nous assure. T'imagines sur le CV, ouais, j'ai fait une comédie musicale, j'ai fait un champignon. Non, mais on m'avait mis un faux crâne pour le champignon hallucination. Non, mais il faut inviter surtout les auditeurs à retrouver parce que c'est sur YouTube quand vous êtes en champignon. Si, vas-y. Comment ça s'appelle ? Comment on fait pour le Alix au pays des merveilles. Alix. En fait, c'est un film de boules. En fait, c'est un film de boules. Au final, c'est pas une comédie musicale. C'est un champignon, bizarrement, j'étais tout nu. C'est ça. Mais c'était sympathique. Hein. Ah bah oui, on entend. Bah écoute, ravi d'apprendre. Bravo. Voilà, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.